décidé de ne pas vouloir coopérer. Je le sors les doigts du cul. Ouais, mais c'est 18. Et tu la mets pas dans le bac à gravier, hein, parce que putain. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison. On est à Lédenon. Lédenon n'est pas venu depuis 2019. Mais ça va le faire, on va reprendre le circuit, on va se remettre dans le bain, on va continuer de prendre confiance dans la chevron et ça devrait bien se passer. On est vendredi, qui dit vendredi dit deux séances d'essai, un petit briefing et ça part en qualif. Allez, je vous montre tout ça. Et j'ai emmené la caméra, je vous promets rien, parce que vu comme la voiture vibre, je vous promets rien. Mais normalement, il peut y avoir de la caméra embarquée. Alors, les deux séances d'essai sont faites, ça s'est super bien passé, j'ai bien progressé, à part mon rétro qui a décidé de ne pas vouloir coopérer, ça s'est super bien passé, je suis très contente. Après, on va aller au briefing et en qualif, et la journée sera terminée. On va dire que nickel, pour l'instant. C'est plein de choses dans la boîte. Tu nous expliques comment elle est faite la boîte. Des crapauds ou des crapauds? 23-27. T'as mis tes mains dans la boîte. T'as touché. T'as touché la boîte, toi. Hein? Ça commence à 15. Il est où le. Il y aurait que c'est dans ton place. Ouais, mais je me bats gentiment. T'as mis quoi comme pression? 1. Interview pour la Starlette.
Qu'avez-vous à dire sur la Starlet? Qu'elle se sorte les doigts du cul. Résumé, c'est quali. Ça compte super bien. J'ai codé meilleur de mes temps. Et là, j'étais en train de réserver mon temps, de faire un meilleur temps. Et plus de puissance. Je me mets tout de suite en sécurité pour gêner, pour ne pas gêner les autres pilotes. J'essaie de redémarrer, ça ne redémarre pas. Bon, ce sera pas le moment de la. Je vais vous mettre juste après le moment où ça arrive. Ils sont en train de réparer, j'ai confiance. Je suis bien contente de l'amélioration. Par rapport à ce matin et logiquement on va prendre de tardement, on espère. Bonjour, bienvenue à l'Aidon, bienvenue au circuit le plus vanté de France. Bon, finalement il n'y a rien à voir avec tout ce qui est allumage, juste le tuyau d'essence qui s'était débranché. Mais il y a eu une merde qu'on a testé et on a cru que l'allumage fonctionnait pas, c'est pour ça que les mécanos ne se sont pas préoccupés de l'essence tout de suite. C'est beaucoup moins grave, donc c'est bon, ça repart. Là, on est en train de revoir la géométrie et la direction parce que nous voulons n'est pas droit l'une droite. Donc, petite course aujourd'hui, et puis voilà. Et beaucoup de vent. Rendu de la course 1, let's go. Bon, déjà j'ai pas le micro, j'essaye de me mettre loin du vent. La course 1, ça s'est plutôt bien passé, même si je faisais mieux, plus amélioré, mais je suis pas loin de ma vie. Et je me rapproche des pistes, c'était très bien, mais c'est sur le bout de vent. La caméra a pas mal bougé, donc je vais juste vous mettre un peu le départ. Là, on va me faire je pense, de juste. Allez, à plus.
Bonjour à tous, dernier jour du week-end, dernier après du week-end du coup. Je vais me préparer, me changer. Je revois tous les freins, toute la répartition des freins. Ça va changer, parce que ça va changer, surtout c'est moi qui dois apprendre à appuyer vraiment dessus, à pas juste leur faire des petites caresses, à pas faire le temps. On va essayer de mettre ça en pratique et de se rapprocher encore plus du top 10. On a une place de 10, on va essayer d'aller la chercher. On verra, ça dépendra de combien de personnes vous parlez aussi. Mais on va essayer. À gravier hein, parce que putain on n'a pas que ça. Alors la course 2, ça a progressé un petit peu, ça a pu plus progresser. Bonne position, la position un petit peu ambitieux la 6ème place. J'ai gardé mon 2ème place, on m'a proposé côté commune, donc c'est l'essentiel. La recharge et on rentre. Rendez-vous à Dijon. Ah oui, et la caméra n'a pas filmé la course en entier. Super.